23 ans, et ils sont 23 ans, nous
moi qui ai essayé d'aller au l'église à la depuis des années, la chorale a nommé les élus à animer de façon grandiose le culte de 6 heures du matin. C'est pas facile. C'est pas facile. Quand on a été nommé la chorale là, il est obligé de dormir toute l'église là. Pour être capable de participer dans le culte là, avec le mouvement qui est là. Donc, on voit que l'église là, il voulait encourager ça, parce que c'est un chorale qui est là maintenant. En pile, jeune adolescente, donc on comprend du sacrifice. Et moi, quand on voit que parents, il y a des parents qui parlent en chorale, c'est pas chorale par une institution, mais ils ont obligé de venir à cause de l'étude. Et puis, ils sont capables de chanter à 6 heures. Donc, on voit que c'est un sacrifice que mon Dieu lui prend plaisir à donner. Et moi, quand je dis ça, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour les saints et rendu et rendre encore des services aux saints. Donc, on va demander à Pasteur Clarel pour que vous soyez capable de vivre dans une livre ça, on va demander à le président Doralla avec Maïsse Oli et certainement et avec le bon fils là-dedans parce que je crois que Maïsse Oli est président, c'est les garçons. Donc au moins, c'est bon, on a une million de filles dans le comité. On va passer au troisième pour vivre en place à l'église et montrer que quand même, ça que nous avons fait, nous avons fait la dignité. Alors, premier législatif de Port-au-Prince. Honneur et mérite à la chorale parmi les élus pour le courage, la fidélité, la persévérance, la loyauté, la sagesse et la propagation de l'évangile de Jésus-Christ par les chants et la musique et l'animation grandiose du premier culte de deuxième dimanche depuis 23 ans. Hébreux chapitre 6, verset 10, 12. En 178e de l'Église et 191e du baptisme haïtien, au moins le 26 janvier 2014. Que tu l'Église soit pas tout ça. Elle sera obligée de passer et vous mener un petit peu à l'aller. Vous savez que vous devez travailler pour que vous devez faire. D'abord, c'est ça que vous avez travaillé pour que vous ne passez pas avec tout ça, mais c'est et vous avez oublié la partie d'après. Je vous recommande cette prière même. Monsieur, il y a un petit peu de temps qui est de vous rappeler que vous avez vécu ça, vous avez vécu la Saint-Saëns.